É difícil falar, não é? Tu tens que ouvir. Celui-là, c'est le modèle B, donc comme tu sais, il y en a un peu plus d'une vingtaine maintenant, mais par exemple celui de Jacqueline Dupré, celui de Rostropovitch, celui de... C'est tous les modèles B, oui. Voilà, c'est tous les Stradivari les plus célèbres, peut-être à part le Cervet et le Christiani, sont tous de ce modèle-là. C'est jugé l'apogée de son modèle de violoncelle. Uhum. Não sei se foi abandonado, mas não tem registros que foi muito bem tocado. E como é que é possível? Violoncelo que não foi tocar dezenas de anos, põe em condição, pum, maravilha. O objetivo do trabalho é tentarmos datar o material, não é o instrumento. A origem da árvore, em particular, deste instrumento estudado no Museu da Música do Stradivari, nós sabemos que é da região de Cremona, Itália. Aussi pour les violons Stradivarius, ce sont des instruments qui n'aiment pas être enregistrés trop près. Donc il faut avoir une certaine distance pour aussi comment dire, ne pas détériorer le timbre de l'instrument. Les violoncelles, normalement, n'ont pas une telle projection du son. Il a vraiment un son à la fois très large, très dense et surtout un timbre très riche. C'est le seul modèle B qui soit dans un musée. Et si on veut que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants sachent encore ce qu'était un Stradivari bien conservé, heureusement que celui-là ne court pas le monde dans tes mains ou dans les mains de quelqu'un d'autre. Je suis désolé. De temps en temps.